Donc pour la petite histoire, vous la connaissez déjà peut-être, mais les couleurs des Harlequins proviennent de la couleur de toutes les universités et grandes écoles qui forment PSL. Il y a une chose qui m'intéresse dans PSL, c'est le mélange des contraires. C'est impressionnant de jouer dans un grand stade comme ça, très connu, on a vraiment beaucoup de chance. Et puis jouer au sein de l'équipe PSL, c'est super parce que ça permet de créer des liens entre des écoles de haut niveau à Paris, de jouer au rugby avec des filles qu'on ne connaît pas forcément. Ça crée des liens forts finalement, se retrouver sur le terrain pour autre chose que des études. Et donc c'était vraiment une super opportunité et si c'était à refaire, je le referais volontiers. Et puis on attend les Anglaises, ouais, on les a gagnées et on les attend de pied ferme l'année prochaine. On espère pouvoir jouer dans un grand stade parisien pour rendre l'appareil. L'agressivité défensive, on monte bien en ligne, on va les chercher et on va on les fait tomber. D'accord ? C'est bien, d'accord. Et quand ils prennent le ballon, ils percent. Donc toujours, toujours vigilance maximum, ok ? On reste pareil au niveau de la montée défensive, c'est très bien ça, ok ? Thank you.
L'ambiance était vraiment, vraiment géniale. Jouer comme ça dans un grand stade, c'était excellent. Avec les équipes féminines aussi sur le bord du terrain, c'était vraiment quelque chose. On voudrait aussi remercier l'équipe anglaise, une équipe particulièrement forte, puisque je pense qu'ils ont gagné leur championnat cette année pour la première fois depuis le 19e siècle. Donc voilà, une équipe qui a été un petit peu trop forte pour nous le jour même, mais on a failli arracher le nul à la fin, en perte de 3 points. Donc on les attend en 2016 pour la revanche. Et on remercie aussi l'arbitre et bien sûr aussi nos partenaires financiers. Putain, il y a des mecs qui sont sortis sur blessure. On est rageux là. On vous regarde jouer sur le terrain, ça nous fait chier là de voir des mecs transpercés là. Des mecs qui font rien du tout. Le plaqueur dans l'axe, les leaders et point final, le 9. Il faut faire que ça, il faut faire respecter là-dessus. Si on arrive à respecter ce point-là, derrière, nous passerons plus. Le comité de Paris a souhaité par cette initiative relancer le défi universitaire Paris-Londres, à la fois sur des bases académiques et sportives. Cette collaboration avec la SPSL nous semble tout à fait naturelle depuis 3 ans, tant elle nous satisfait sur le plan sportif et pédagogique. Je rappelle que ce projet est d'abord porté par des étudiants avec le soutien de leurs enseignants. Les sélections filles et garçons sont assez bien représentatives de ce que le territoire de Paris peut produire en termes de qualité rugbystique et estudiantine.